fait, la première fois, c'était, j'avais 12 ans, je crois. J'ai vu des petits monocyclistes. Et puis, j'ai fait un stage de cirque dans une petite école à côté de Grenoble. Moi, je viens de Lyon. J'ai commencé quand j'étais gamine avec les arceaux, en fait, donc les grandes compagnies de grands volants. Donc moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à l'école de cirque de Die, j'ai fait du trapèze volant. Je voulais être voltigeuse au début, mais trapèze balance et du solo, seul sur son trapèze. D'accord, c'est plutôt ça, mon truc. Et de fil en aiguille, on a monté un numéro, je faisais de la bascule. Et Pierrot Bidon, qui était le patron d'Arkéos à l'époque, qui nous avait remarqué, ce qui avait dit, ah, c'est chouette. Et puis de fil en aiguille, l'année d'après, on allait bosser à Arkéos pendant les mois d'été, puisque moi j'étais au lycée, j'avais 17 ans. Mais il nous a quand même pris sur une tournée nordique en Danemark et en Suède. Petite, ma famille, elle faisait déjà un peu du cirque. En parallèle, j'allais souvent faire des stages de trapèze volant à Margès, chez Jean-François Saint-Marin, qui est une super école de trapèze volant. Et quand j'ai fini le lycée, je suis partie au Canada, j'ai fait des auditions, j'ai été prise à l'école de cirque de Québec. Après ça, j'ai passé mon bac que j'ai raté deux fois. Et après, j'ai mis le pied, comme j'avais mis le pied dedans, les gens après ont dit, ah mais Benoît, il fait quoi en ce moment? Et de fil en aiguille, voilà. Et j'ai pas fait d'école, quoi. J'ai pas fait ni le CNAC, ni Fratellini. Voilà. Et c'est la gym qui m'a. J'ai fait de 5 ans à 15 ans de la gym. Et du coup, et après, c'est plus autodidacte et en rencontrant des. Et après, j'ai monté des compagnies avec des gens et. Et j'ai intégré des compagnies aussi, j'ai bossé dans des spectacles, enfin voilà. À Québec, ce qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment toucher à plusieurs disciplines différentes. Et du coup, moi, j'ai vraiment axé sur voltige acrobatique sur différents appareils, en ayant vraiment la spécialité cadreuse. Et voilà. Et quand j'ai fini Québec, j'ai commencé à travailler avec mon porteur. On a bossé en duo pendant quelques années. On a été pendant un bon bout de temps à Las Vegas. Et voilà. Et après, j'ai rencontré Vost. Aussi, quand j'ai rencontré Vost, c'était un moment où j'ai passé ma formation cordiste. Et donc ça m'intéressait vachement tout ce qui était mise en place d'agrès, la gestion des cordes, des amarrages, enfin, du levage. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient là-dedans. Et en fait, avec Voss, ça mêlait l'acrobatie, ce que j'aime et ce que je sais faire, et aussi de monter des grosses structures. J'ai fait ce métier-là parce qu'il y a une liberté qui est incroyable. C'est génial, mais voilà, faut trimer quand même. De charger des camions, il y a vraiment un âge où c'est plus ce qui fait vibrer. Mais c'était très plaisant pour moi en tant que jeune adulte de vivre une expérience totale. Après, voilà, monter des compagnies, bah, c'est des chouettes aventures. Donc ouais, moi je conseille bah, déjà de se mettre à plusieurs et puis de créer des choses, quoi.